Is this your first time in St. John's? Yep. Yes, it is. So, is it Friday night? Are we Friday? Friday, yep. Okay. You want to party in the night on George? What's that? You want to party in on George Street tonight? On George Street? Okay, that was my next question. The street where it's all happening? George Street. George? Yep. Non, mais drôle. Je sais pas où c'est qui m'a mis ça là. Non, mais laisse pas parler. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue au Centre des Grands Vents. Nous sommes heureux de dire la bienvenue à M. Louis-José qui nous fait l'honneur d'être ici pour débuter sa tournée canadienne. Je vous souhaite une soirée merveilleuse. Puis, si vous avez le goût de rire, ben, j'espère qu'il va nous satisfaire. Merci beaucoup. Merci. J'espère que je vais vous satisfaire. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Il vente en tabarnane ici, hein? C'est surprenant à Saint-Jean, hein? C'est quand même... C'est-tu vrai que le maire s'appelle O'Keefe? Denis? Denis, comment? Oui, OK. Parfait. Je comprends pas tout encore, mais ça va, c'est cool. C'est quand même cool que la ville est baptisée au nom de la plus grande buverie de l'année, la Saint-Jean, puis le maire s'appelle O'Keefe, hey, party time. Tout le monde sur la rue Georges, comme on dit que c'est. J'ai déjà découvert ça, là. J'ai déjà un habitué de la rue Georges, ça se passe bien. J'ai tellement la chienne, là. T'es sérieux? Je sais pas, C'est plus comme des clubs, là, tu sais, où il y a comme une soirée, puis j'arrive en surprise, puis ils sont comme là, ils ont payé, ils m'attendent, ils ont payé un billet, là. C'est la première fois depuis une couple d'années, là. Je pense, en fond, c'est la première fois depuis 2 ans et demi, là, depuis la fin de... sous la parade, là. Ouais, plus que, un petit peu plus que 2 ans. Puis, tu sais, la moitié du stock n'est pas fini d'écrire, là. C'est un peu... Chaque main sont bien rangées. Les plus lourds sur le fauteuil devant vous, les plus légers le coffre au-dessus de vous. Vous devez être confortablement assis. Le dossier de votre siège doit être dressé, tablette verrouillée et ceinture de sécurité bien bouclée. Le système de divertissement restera activé, seuls les écouteurs boutons branchés. À date, c'est chaleureux, vraiment. C'est réussi. Il fait chaud? Ah oui, ce n'est que le début, madame. Dans 1h15, on est tout à poil, c'est sûr, là. On va dans le spa, madame. On se connaît à peine. Votre mari, il dort les yeux ouverts. On peut pas aller dans le spa. Pardon? La bière dans le frigidaire, OK, parfait. Ici, c'est la Alexander Keats là, qui est en vedette, non? Ça vient d'ici? C'est pas d'ici. Vous avez la bière du Québec, oui? Ouais, comme quoi? Coors Light? À Coors Light. J'espère qu'elle est frette, c'est comme sa seule qualité. Tu sais, c'est ça que ça fait, la Coors Light, être froid. Elle est moins chère au Québec? Fait que je suis mieux de l'amener du Québec. Tu sais, je sais que j'ai pas de décor puis tout ça, puis c'est assez sobre, mais je suis pas si dans le trouble que ça non plus. Au niveau financier, que d'amener ma bière pour aller veiller en Nouvelle-Écosse. Chris, elle est moins chère au Québec! Hey there, gents, how are you guys doing? Alright, good. How about your spiritual travelers? Have you met the monks yet? Nope. We're just passing through. This is called Harinam. And we got some really nice spiritual books. You know, yoga, meditation, that kind of stuff? Yeah, sure. Do you show them? No, we don't. We show them to people. If they grab a book, that means they're a little bit interested. I'm all good, thank you. This is for people especially who are all good. Really? People who are no good need these books, but they usually are so no good that they can't even tell they need it.
people were all good, go, oh yeah, yeah, I'm with that. Mm-hmm. Check this out. Have you ever heard of this book, Bhagavad Gita? No, sir. 5,000 years old. So it's the Vedic knowledge that came from India. It's not Hindu, it's not Indian, it's not Buddhism, but Hindu religion. Tu viens de Montréal? Tu viens de Montréal? Là, tu vis ici? T'es supposé être à Montréal. Il y a quelque chose dans ton horaire que... Tu sais, Méné... Faut vraiment que tu sois trompé d'autobus, là. C'est pas comme... Je suis supposé être à Montréal, mais je suis à Ville-Mont-Royal. Non, non, là, c'est... Ah, oh, t'es en grève depuis 10 semaines, OK. Ah, oh, c'est toi, ça! Chaque décision que j'ai prise, c'était dans le but de ne pas avoir à me lever le matin de ma vie. Puis aller quelque part. Ouais. C'était d'aller quelque part plus que se lever le matin. Ben, je me lève le matin. Mais c'était de se lever pour aller quelque part. Que c'est pas moi qui décidais où. Toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était dans cette optique-là. Puis à date. Ah, ça a été respecté, ça que je voulais faire. Je voulais quelque chose d'irrégulier. Ça n'a pas plus de mérite que de faire quelque chose de régulier. Mais c'est juste une préférence. C'est régulier, là, être un dimanche après-midi à Charlottetown, là. Dans une salle, là, quoi, c'est pas... Ici, c'est pas beaucoup, je pense que c'est 250 places. Pour du stand-up, by the way, 250 personnes, c'est parfait, là. Ouais. C'est le fun à 2000, mais 250, c'est cool. En fait, c'est la routine qui t'énerve, là. Puis c'est ça que tu voulais pas faire au départ. Ouais. Mais en même temps, j'aime la routine de tourner. En tournée, il n'y a pas vraiment de routine, mais tu sais, ça reste que c'est quelque chose que tu répètes la même show tous les soirs. Ben, pas en ce moment, là, mais en temps normal, en tournée, c'est vraiment. T'as quand même une forme de routine, mais c'est pas pareil. Une zone de confort. T'as une zone de confort, mais tu vas passer une semaine au Saguenay, ou après ça, tu fais une semaine à Québec. Tu sais, il y a quand même. Même si tu fais le même show 400 fois, il y a assez de distraction autour, puis d'irrégularité dans l'horaire, puis dans la façon de faire les choses, qui fait que tu te sens jamais dans une routine. Même si tu visites les mêmes villes année après année, puis tu fais le même show pendant une période de temps. J'ai pas encore de cette liste, j'ai pas encore de pacing pour asseoir. Oh, je vais commencer par me changer, mettre plus dedans. Pardon? Oui, je reviendrai. Oui, je vais surtout dire aux autres de revenir, oui, parce qu'effectivement, c'est vraiment agréable, puis. Non, oui. Oui. Donc, oui, je vais passer le message. Puis, merci à tous ceux qui ont participé au spectacle. Normandin, il y a eu Véro en grève. Et tout le monde. Non, hier, c'est vraiment beau, l'Union du Prince Édouard. C'était déjà allé. Non, là, on était à Fredericton, en fait, là. Au Nouveau-Brunswick, ouais. On demeure savoir à Winnipeg. J'ai bon feeling, mais on fait une petite tournée, en fait une grosse tournée canadienne présentement, c'est le quatrième show. Ce soir et hier, j'étais à Charlottetown et puis j'ai fait une petite niaiserie. Hier, on a pris l'avion entre Halifax puis Charlottetown, puis j'arrive au contrôle là, des bagages, là, quand je check tes bagages à main, tout ça. J'ai été sélectionné au hasard. Pour la fouille! Et là, le gars qui arrête, il me dit « OK, vous avez deux choix. Soit que je vous tente un peu moi-même à la main, là. Bon, on se connaît à peine, mais quand même. Il y a mon collègue qui va vous faire le truc avec un petit scanner électrique, tout ça. Et les deux étaient assez corpulents. Deux costauds gaillards. Et... Donc, lui, il y a celui qui parle à la main, puis son collègue qui fait le scan. Mais là, j'ai voulu demander. Tout ça se passe en anglais, puis j'ai voulu demander Which one's the fastest? Mais j'ai dit Which one's the fattest?
Fait que ben, je vous rappelle cette semaine de toute façon. Ok. Ok, ben je t'aime. Robin? Hein? Ça va? Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, moi? Ben, tu sais, je suis changé, ben. Je parle à mon gars. Puis il dit, je veux plus préparer pour travailler avec les Josées. Ma mère malade, elle attend de se faire au père. C'est pas si pire si. Si on revenait dans deux jours. Ah, il y a juste. Encore 10 jours. En 9 jours. Holy shit. Fait que. Vers l'aéroport, je quitte cette province. Quatrième en 4 jours. Avec Winnipeg à soir. On va-tu voir un film à Winnipeg? Toujours rêvé ça, moi. J'ai pensé tantôt, tantôt. C'est ça. Je ne demanderai pas à quoi. Je ne te demanderai pas ce que ça fait de penser à ça, mais. Toi? Ah ben. Marche dans la douche. Bon. Donc, ben, ça dépend. Est-ce qu'on a une idée de la température à Winnipeg ce soir? Ferme dans la fenêtre, s'il te plaît. Je veux pas qu'un courant d'air, là. Je sais bien qu'il fait chaud. Un peu frais dedans. Tu peux t'envoyer du chaud. Pas le temps de pogner la grippe. T'es en pleine forme, by the way. Tu sais, c'est cool, là, on se parle 2 jours à Winnipeg, mais on dirait que j'aime ça, là, depuis 4 jours, les hôtels, c'est éclair, c'est bing, 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 bing. Hier, on a mangé un steak au Winnipeg, qu'on pourrait rebaptiser Winnikeg, je pense que 4 kegs. Puis je me suis vraiment bourré à gueule. Un steak plus gros que moi, c'était vraiment... Sérieux, il était plus profond que moi. J'ai vraiment sacré à voler, c'était vraiment bon. Puis, puis là, ben, matin, tu sais, je faisais un petit peu de guilt. J'étais un petit peu. J'avais un peu de culpabilité. Fait que. Je veux pas aller déjeuner au resto. Parce que quand tu déjeunes au resto, tu te prends une grosse omelette badass avec des patates pas fiables. Puis là, tu sens comme un peu de chubby. Puis là, je vais aller à l'épicerie, tu sais, m'acheter des fruits. Tu sais, tu fais ça un lendemain de cake. Tu vas t'acheter des fruits en pensant que ça va comme tout régler de 32 onces de filet mignon dans la fente. Antoine, c'est quoi la différence entre un hibou et un hibou gay? Oui. Le hibou fait... Et le hibou gay fait... Ah, bravo, bravo! Il y a une épicerie, ça fait... Comment ça s'appelle? Extra food? Food extra? Extra food? Au pluriel, foods. Ça se compte pas, des foods? Il y a food ou il y a pas food? Il y a pas des foods? Pas extra foods? Non, ça n'existe pas. Je rentre là, puis il ouvrait. Il y avait comme 3 bananes puis 2 gruyots dans la place. C'était vraiment, là. Puis 3-4 pacanes me regardant de même. Qu'est-ce que tu faisais, Dagra? Ah, c'était pas sympathique, là. Puis, j'achète une couple d'affaires, là, pour me déculpabiliser, puis maintenant, j'arrive à la caisse, puis ma carte de guichet a expiré. Puis, tu vois, là, j'ai dit, ah, je vais retourner à l'hôtel, je vais revenir dans 20 minutes. La madame a pris mon sac avant, en fait. Fait que j'aimerais tellement ça qu'elle soit là à soir, juste pour, tu sais. Il y a une petite file au bar, comme 5 minutes. Oui, pas de problème. Pas de presse. Pas de problème. Parfait. 5, 10, 15, c'est moyen. Ben, tant que la file a fini, excuse-moi. Non, ça va. Tant que vous voulez ça, vous voulez ça. Parfait, j'en reviens tantôt. OK. Et qu'est-ce qu'on fait à Regina un jeudi soir, là? OK, me regarde. Mais, tu sais, comment? Une jeune dynamique! Hey, c'est un très bon lien, monsieur, parce que
moi, c'est la deuxième fois de ma vie que je viens à Regina, OK? La première fois, c'était en 1994. Pour un tournoi de ballon-ballet. Championnat canadien de ballon-ballet, dont j'étais membre de l'équipe du Québec. Ris pas, mon tabarnak, OK? Tout le monde rit du ballon-ballet, OK? C'est hot comme sport. C'est full contact. C'est comme le hockey, pas des paulettes, imagine. T'sais. Ben, ça va moins vite. T'as des souliers qui sucent, là, qui sucent la glace. Et puis tu cours sur la glace. Puis mon ami Alexis, où est-ce qu'il est? Il est en arrière à la caméra. Alexis était membre également de l'équipe de ballon-ballet. Ça fait 18 ans. On est là, on est encore là. Mais. Puis c'est ça. Donc, et l'équipe s'appelait les Dynamiques. C'était le nom de l'équipe, justement. Donc, quand t'es venu ici, c'est la première fois que je prenais l'avion, je me rappelle. Donc, en avril 94, j'étais au Travel Lodge pour le tournoi de ballon-ballet. Puis il y a une piscine et des glissades d'eau dans cet hôtel-là. Puis j'étais là-dedans, wouhou! Puis je faisais glissade d'eau, là. J'avais 16 ans, là, mais je sais pas. Des glissades d'eau intérieures, tu peux plus. Ah! La minute, je finis mon tour de glissade d'eau, j'arrive dans le bassin, mes amis sont tous dans le même autour du bassin. Kurt Cobain venait de mourir là. J'ai appris Kurt Cobain qui était là, on est encore dans l'époque grunge, là, tu sais, là. J'ai la coupe rasée en dessous, puis les cheveux sur le dessus, là. Puis là, j'apprends que Kurt Cobain est mort. Puis moi, tu sais, j'étais un gros fan de musique, j'étais un gros fan de Nirvana. Puis j'en reviens pas, puis Kurt Cobain est mort. J'ai fait « aïe aïe ». Puis je suis retourné faire la glissade d'eau. Tu sais, il me disait « ça pourra ». Je crois que c'est une manière d'envoyer de l'amour. Wouhou! Travel Lodge! Yeah! On avait été éliminé assez tôt dans le tournoi, faut que je dise, hein, ouais, par territoire du Nord-Ouest. Ouais, puis il y avait une bagarre générale d'ailleurs, pas fier de ça, mais ouais. Puis on s'était battu contre le territoire du Nord-Ouest. On avait été battu au point et au point, là. Puis on avait rencontré des Acadiens qui étaient dans le même hôtel que nous. Puis oui, et moi, j'aime beaucoup le français, j'aime beaucoup la parlure et les expressions, puis ça. Puis quand tu rencontres un Acadien la première fois de ta vie, puis tu parles, c'est drôle en tabarnane. C'est tellement coloré, tu sais, les expressions qu'ils ont, puis l'accent, puis tout. Puis moi, je m'étais mis chum avec 3-4 Acadiens, je trippais sur eux autres. Puis on avait pas. C'était un tournoi étudiant, on était en secondaire 4, là. Fait que là, il y avait un couvre-feu après les parties, c'était pas le free-for-all, on était mineur, puis tout. Fait qu'il y avait un couvre-feu, puis moi, j'avais réussi à sneaker out de l'hôtel, puis les Acadiens étaient comme dans une autre aile de l'hôtel, qui était comme en face. Puis j'étais sorti dans le stationnement en coton ouetté, puis j'avais entendu du bruit, puis je m'étais caché en dessous d'un char. Puis j'entendais mes entraîneurs parler, ils étaient sortis fumer une cigarette sur le balcon. Puis, man, j'avais passé comme 20 minutes en dessous d'un Buick. Fait que je suis tellement content que pour mon retour à Regina, ça se passe maintenant surélevé au lieu de dessous. Tu sais, je me dis que je vais me tanner à m'amener. Non. Non. Les tournées, non, j'arrive pas à me tanner. Si je pouvais me tanner les tournées, ma vie serait tellement plus simple. Tu sais, j'irais faire un talk show. Ou j'irais animer un talk show, puis faire une série à télé. Tu sais, quelque chose de super bien, là. Partir le matin chez nous à 9h, puis travailler avec une équipe, puis socialiser avec des gens normaux. Mmh. Tu sais, puis. Oh, mais je serais plus là. Des bons scénarios, puis tu sais, une belle équipe, puis. Tu sais, tourner, j'aurais fini le soir, j'irais chez nous. Alors, on espère une femme et des enfants. Là, non. M'achète une maison, mais tu sais. L'autre fois, je cherchais le code pour rentrer là, dans le garage. Tu sais. Hier, j'étais à Saskatchewan, aujourd'hui à Sudbury, demain à Edmonton, avec deux gars. Que je connais plus secondaire. C'est ça que je fais. Je suis complètement formaté pour ça. Je peux pas me sentir plus à ma place à soir là, qu'à Sudbury. Derrière, devant un mur beige. Là. C'est fou, on est dans le tennis, c'est une espèce de pédite. Merci d'être dans mon spectacle, les gars. C'est cool. On a eu une petite situation cette semaine. Je pense qu'on prend 17 vols. En tout, là, sur cette tournée-là, puis il fallait que ça arrive une fois. Il y a une valise qui s'est perdue entre Regina et ici. En fait, ils l'ont retrouvée, mais c'est la valise avec toutes les DVD qu'on traîne normalement. Je sais pas si mon stock, il se vend ici. Je sais pas, je pense que je t'ai vu. Ça se peut-tu que tu avais un de mes DVD tantôt, je sais pas. Mais je pense, je sais pas s'ils vendent dans la région ici. Bon, on avait amené plein, puis ils sont quelque part dans le ciel. Fait que... S'il y en a qui se posent la question, on n'a pas! J'aurais pas oublié ma valise de Bobette, ça aurait pas été grave. Là, je vais être obligé de vendre mes bobettes. J'ai mes bobettes, mais j'ai pas les DVD. Panini's potato. Vous voulez pas acheter mes bobettes. Donc, j'ai aucune évolution, OK? Je regarde ça, là. J'ai 34 ans. J'étais avec mes deux amis du secondaire dans le fin fond de l'Ontario. Puis je porte une chemise carottée, comme en secondaire 3,
avec un chandail des Stones que j'ai mis tout mon secondaire. Pas celui-là, mais le t-shirt de la langue. Il n'y a aucune évolution là-dedans. Là. Dans vous autres, moi, je fais le clown comme au secondaire. Avec une chemise de chasse puis une langue des Stones. Tu sors des photos de la Saint-Jean 92-93. Je suis habillé exactement comme ça. J'ai des jeans un peu usés. Avec une langue, une chemise carottée, puis Alexis qui est pas loin. T'es juste pas en Ontario. J'ai aucune évolution en 20 ans. Aucune! None! Tabarouette! Attention, il peut avoir un autre. Écoute, j'ai une chemise à chasse, y'a pas de problème. Ouais, bon. Il va faire « Oh, connaisseur! » Petite référence à Grand Fjord, au masque de Grand Fjord des Oilers. Il y avait un masque avec un gisement de pétrole. Et maintenant, on va accueillir chaleureusement Louis-José Hood! C'est super gentil, excusez, je cherche quelque chose qu'on m'a offert, que je voulais porter pour vous dire au revoir, mais excusez, ça... Ah oui, attends, oui, je vais mettre ça! M'excuse, là! Pas Wayne! On fait pas ça à Wayne! Je sais pas que vous savez contre votre propre club! Mais pas Wayne! C'est correct, d'abord. Hey, sérieux, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec les Oilers? Pourquoi vous chiez tout dans vos culottes, là, quand on monte, là? Pourquoi vous faites tout une hémorragie de cris, là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, by the way, je suis un grand fan de hockey, puis j'ai une fascination, petite parenthèse, là, sur les masques des gardiens de but, OK? J'étais gardien de but plus jeune, puis ça me rappelle les cartes d'hockey. J'y trouve un certain réconfort. Les vieux masques vintage des années 70, 80. Puis il y a un gars à Vancouver, pas loin, qui fait des répliques identiques de ces masques-là. Fait que j'en ai commandé un par équipe, il y a comme 28. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est immature. J'ai comme 28 masques vintage dans mon sol, dont Grand Fjord. Puis en passant, il n'y a rien qui impressionne moins les filles que ça, hein? Y'a pas une fille qui arrive chez nous comme « Wow! Chico Resch, Grand Fury, Ronex Tall, ouh, assis-toi sur ma face! » Y'a pas de ça, là. Un autre défaite! C'est le stock le plus récent qui marche le mieux. Ah ouais? T'es souvent le même. Parce qu'il est plus frais, tu joues mieux, pis... C'est ça, je vais essayer de changer de show plus souvent. T'es moins installé dedans? Ouais, il est plus spontané, t'es plus... On dirait que t'es plus vrai. Y'a des jokes qui se mettent... À arrêter de marcher maintenant. Ça, c'est fascinant. Tous les humoristes vivent ça. Ah ouais? Il y a des super bonnes jokes à maintenant, ils se mettent à arrêter de fonctionner. C'est juste une question de. C'est de l'aura que t'as pendant que t'as fait. C'est quand ça repose juste sur la spontanéité. Celle qui t'offre le. Qui passe le test du temps, c'est celles qui sont super bien placées, puis tu peux y faire avec une gastro, puis ça va marcher pareil. Là. OK. Si ça repose juste sur un espèce de trait de ton delivery, ça fonctionnera pas. Elle peut avoir fonctionné 3 semaines. Mm-hmm. Puis. Dans mes nouvelles, j'en ai pas trop là, qui ont arrêté de marcher. Il était plus réservé à soir, là. Ça, le cinéma. Parce... Ouais, mais aussi. Écoute, c'était des Lazy Boys. On en est Lazy Boys. Ouais, mais hier, c'est parce que. Hier, c'était de l'hystérie, mon gars, là. C'était vraiment fort, là. C'était où hier, là? Sudbury. Hey, c'est fou, comment? Avec tous les avions, les escales. J'ai l'impression que j'ai joué 3 fois à Toronto cette semaine. Ben, je suis allé comme 3 fois. Puis on a pas joué à Toronto. Hier, je suis allé à Edmonton. Puis on m'a dit qu'il y avait une petite rivalité là, de Edmonton, de Calgary. Ben, je savais, là, mais. J'ai expérimenté gros comme ça quand, après le spectacle, on allait prendre une bière dans un pub juste à côté de la salle de spectacle. Puis, tu sais, ça c'est merveilleux, le Canada, il carte quand t'as 34 ans. J'ai pas amené mon portefeuille, tu sais. J'ai de l'argent, puis j'ai une carte de crédit dans ma poche. J'aime pas ça, il y a trop de paquets, j'aime pas ça. Je joue freestyle, OK? Ben, j'ai des bobettes pis tout, là, c'est pas ça, là. Mais je veux dire. Smooth operating. OK, donc, le gars, il nous demande nos cartes. Là, moi, je suis comme, ah, oh, comment, je sais pas, j'ai pas de carte. J'ai dit, tu sais, je pensais qu'à 34 ans, je pourrais aller prendre. Puis là, il me regarde, il dit, là, je fais quoi avec toi? Puis là, je commence à faire des références early 80s, tu sais.
Pour qu'ils comprennent, j'écoute, je suis né octobre 77, longtemps Edmonton, j'écoute, les Oilers ont gagné la Coupe en 84, 85, 87, 88, 90, ils sont fait sortir en 86 par Calgary en finale de conférence. Oh! C'est correct, grand, mais parle pas de suicide! C'est correct. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Calgary un dimanche soir, là? On va découvrir. Les bars sont fermés? Il y a une coupe d'ouvert, hein? Oui, y a-tu un bar western? Moi, je veux faire l'espèce de taureau. Chez vous? Smooth operator. Très smooth operator, il se trouve une date devant 300 personnes. Mais non. 300, il y en a 200 ce soir, je sais pas. 200. Avec moi. Ok, c'est pas une loterie, il n'y a pas un prix à la fin sur qui tombe sur. Énervez-vous pas, là, les comptables. C'est en 85, 85, je sais pas! Bon, donc on verra, mais... j'ai mal à la face. Je suis fatigué de la face. J'espère que vous aussi, vous avez un petit peu mal à la face. Puis j'espère que vous avez aimé ça, parce que moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir ce soir. Je vous remercie de m'avoir permis d'utiliser votre espace bizarre. Il est excellent. J'ai vraiment eu beaucoup de fun ce soir. Je vous remercie beaucoup de me voir, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Pat Bélanger, oh, wow. Moi-même, 1980... 13. 14. En tout cas, 13 ou 14. C'est dans mes premières prestations à vie, là. J'ai une photo du même show. Ouais, mais elle est moins bonne. Elle est prise de plus loin, puis elle est un peu frippée. Non, mais elle est meilleure que celle que j'ai. Hey, c'est la tuque à mon père. C'est la chemise à mon père, pis c'est les jeans à moi, là. Tabarouette! Donc, toi, t'es un an plus vieux que nous. C'est ça que tu écrivais. Ton nom, c'est? Mélanie? Ben, ça fait plaisir, Mélanie. Tu me la laisses? Ben ouais. Ah! Je suis tellement content! Je l'enlève du corps de ah, c'est drôle. Tu sais, on a des micros, tout! Ouais. Hey, on faisait des sketchs, tu sais, là. Ouais. Alexis était dans notre deuxième version l'année d'après, quand on était en secondaire 5, ça a continué. Là, ça devenait disco. Là. Les gars, ils sortaient d'une espèce de discothèque. Okay. Puis là, Alexis, il faisait un serveur efféminé, super. Faites ça à Place des Arts. Ah oh, oui. Ben, tu sais, le show de fin d'année, c'était à la salle Maisonneuve, la Place des Arts. Fait que celle-là, cette version-là, on l'avait faite en secondaire 4 à Place des Arts. En secondaire 5, on avait refait tous les shows étudiants dans l'année. On avait fait la version disco. Des Gaspésiens là, avec le serveur gay qui est Alexis. Puis elle était super fine. Merci. Surtout ça! Il y a une couple de Aïe! Ouais, je suis sexy! C'est à soir, ça, les gars. World Premiere. Oh yes. World Premiere sexy. Ouais. C'est la semaine. Ok. Pas la mère, là, la mère un peu funky, là, qui a 6 ans de différence avec sa mère, puis ils sont trois amis, puis ils se prêtent du linge. Ah! La mère qui va au Club Med puis qui parle fort. Non, t'as peu. Il y a un Lido avec une base en cuir. Qui va au Club Med puis qui parle fort. Party! Qui met des pantalons de cuir après l'âge pour mettre des pantalons de cuir. C'est a little word in there. Ouais. Il met des pantalons de cuir, mais après l'âge pour mettre des pantalons de cuir. Puis il dit I'm rich, it's a sex! Je me suis permis de skyper un peu avec ta famille, là. Ils ont appelé? Oui, Marie m'a appelé, j'ai parlé. Non, il a dit, veux-tu être mon papa? Dernière fois, je me suis brossé les dents dans le bureau du gérant, dans une poubelle avec une bouteille d'eau. C'est sûr que c'est les années 90. Un chakra, c'est quoi laquelle on sélectionne? Mais ces deux-là, je pense que c'est les plus drôles. Celle-là, où tu mords vraiment dans ta brosse à dents. Mm-hmm. Plus haut un peu. Ok, monte-les. Monte ta main, là. C'est ça. Un des moments les plus absurdes dans notre relation. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble quasiment. Ça n'a pas de bon sens. La Colombie-Britannique. C'est comme ça que ça se passe. Ok, c'est vraiment absurde. C'est complètement absurde. Puis c'est même pas un miroir, c'est un iPad. Mou, mou, ah, ah, ouh.
Lui, il est 8h pile à peu près. Il est un petit peu en avance, celui-là. Ouais, il est 8h pile. Ok, doucement. On va commencer celle-là tranquille. Le show-là va commencer smooth, là. C'est pas un show où j'ouvre en me disant « Bah, le sacré va aller. » Non, 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 il va y avoir 14 feedback. Le monde va twister leurs chaises vers le stage. Moi, je pèse 30 livres de plus que normalement. Tu sais, mais non, là. Ça vient de kicker avec cette niaiserie-là, je suis prêt. Pas mal. Je vais t'écrire de même, je pense. Tu sais, comme à la lutte, tu faisais ça. Moi, j'ai pas de bébé. J'ai pas de. Je suis pas père. Je suis même pas oncle. Mes sœurs ont pas d'enfants. Mais il y a toujours des enfants chez nous. Je sais pas c'est à qui. Je suis parrain, mais tous mes amis ont beaucoup de bébés. Là, puis, ah, sacrifice. Je suis parrain de 3-4 là-dedans. Je suis plus trop égal. Il y a toujours des kids chez nous. C'est-à-dire que la semaine de relâche, je me sauve. Parce qu'ils m'y dompent toutes. Ah non, c'est sûr que je les aime, là, ils sont super cute, là, de 6 mois à 10 ans, là, puis ah, ils sont tous à la maison. Je suis comme le parrain parfait, mon enfant, tu sais. J'ai un peu d'argent, puis beaucoup de temps libre. Bon, on va le donner à Louis, il n'en a que pas. L'autre fois, j'ai fait une espèce de fête chez nous dans le cours autour de la piscine, je suis avec à peu près 6 flots, entre 2 puis 7 ans. J'étais tout seul avec les flots. Puis j'ai fait, man, s'il y en a un qui tombe, c'est fini. Je peux pas, je sais pas. Faut pas quoi faire avec, c'est quoi? On va le rouler dans les buissons, je sais pas ce qu'il va. Non, mais le parent m'est donc. Si, c'est OK, vas-y. Vite ta décision, là, de quoi j'ai l'air? Mon filleul, ah, lui, il est drôle. Jérémy, il a, quel âge que 6 ans. Puis, ah, il est drôle à mort. Lui, c'est ça, là, on a passé une fin de semaine ensemble. Avant Noël, puis il est venu chez nous. Puis c'est la première fois qu'il couchait chez nous, tu sais. Puis là, il y avait la chienne de dormir dans la chambre d'amis. Puis il dit « Grosse tapette! » Non, c'est pas vrai. Fait que là, on passe la fin de semaine, puis ça y va. On est allé acheter un sapin de Noël. Puis moi, j'ai toute ma liste d'activités, par exemple. Je déconne, je roule pas dans les buissons, là. J'ai comme toujours un programme, puis tu sais, je suis vraiment dévoué, puis tout. Puis j'ai mis la bouffe, puis tu sais, j'opère, tu sais. Puis maintenant, on a passé à faire ça. Puis quand t'as pas d'enfant, sérieux, des fois, t'es pas rodé. T'sais? Quand il arrive d'un coup, puis il y a 6 ans, t'es pas comme habitué à ce beat-là. Tabarnak, tu prends ton pouls. Pas... puis, alors, écoute, il est cute au bout. Puis là, maintenant, on va au cinéma, tout. Puis, tu sais, il se gave. Moi, c'est, avec moi, c'est pas de règlement. On rentre dans le magasin de bonbons. Ouais, tu sais. Puis. Fait que là, il est super excité, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ça fait 2 jours en ligne que, tu sais, je suis brigadier. Là, puis maintenant. Là, il a peur, fait que je dorme avec. Dans mon lit. Puis, il bouge vraiment autant endormi que réveillé. Il couche à 10h30, et moi, tu sais, je vais se barre, ça dit. Fait que j'attends qu'il s'endorme un peu, puis je me pousse, tu sais. Puis j'ai un sofa au deuxième étage, mais je suis pas au sofa. Puis là, il vient me voir à 4h du matin, puis là, l'échange 2-3-4 fois, ça se passe 3-4 fois. Je vais dans la chambre, il se rendort, je m'envoie, il revient, il vient me chercher en salon. La dernière fois, il est à 5h du matin, puis. Je suis couché sur le côté, puis là, il arrive. Je dis, OK, t'as qu'à juste coucher tous les autres. Fait que là, il s'installe, puis tu sais, il est tout petit. Là. Il est né prématuré, puis je pense qu'il sert encore de ça pour avoir des privilèges. Fait que. Fait que là, il est comme une petite boule, tu sais. Il est un peu couché comme ça devant moi, puis devant moi, comme ça, puis il a son petit talon, comme ça, plié juste en dessous de mes chenolles. Juste en dessous de mes chenolles. Juste, il est à côté, là. Et là, moi, je suis tellement brûlé de donner des directives, puis de courir, puis ramasser du stock, puis que je me fais à croire qu'il arrivera rien de pas souhaitable. Tu sais, je pète le problème. Non, non, tu sais, il va se déplacer, mais ça a pris une seconde. POW! Et là, je fais un genre de cri, puis là, je le pompe pogné, tu sais, puis me. Ah! Parce que je veux, tu sais, que les enfants, comment ils racontent tout hors contexte. Ouais, on était couchés, nous, José touchait son pénis, tu sais, je veux pas comme. Ah, that's it? That's it, gars. That's it? Passagers qui ont besoin d'aide pour débarquer, s'il vous plaît, demeurez assis jusqu'à ce que le couloir soit dégagé ou qu'à un moment, nous soyons en meilleure position pour vous aider. Vous pouvez utiliser vos téléphones cellulaires à ce moment-ci. Cependant, tout autre appareil électronique ne peuvent être utilisés qu'une fois que vous serez à l'intérieur de l'aérogare.
On Air Canada, nos partenaires de Starience et tout le monde d'équipage, merci de nous avoir choisi dans mon plan de voyage en espérant que ce vol avec nous vous a plu. Au plaisir de vous servir à nouveau très bientôt. L'heure locale est présentement 7h26 ou 27 minutes. Merci. Gentlemen, welcome to Montreal for your conference. Avec des questions? Please remain seated, would you say? Ben tant mieux, en tout cas moi je suis très 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 satisfait de ma soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre accueil et vos rires généreux. Ça a été vraiment le fun. À la prochaine, j'espère. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Ouais, prends ton bord, Fanef.